Voilà, donc c'est bon, hein, j'ai donné les informations, c'est bon, hein, on peut se mettre en mode... Alors du coup, oui, c'est ça, on va essayer de faire des tests, hop, comme ça. Ah. Ah, il y avait eu un problème de cam, là. Trop bizarre. J'ai vu un carré, ça... Oui, c'est ça. La cam, elle a disparu, du coup, ça fait un carré. Donc on va commencer vite fait, mais il y a le début, donc on va écouter ce qu'ils nous disent. Bienvenue dans Dicey Dungeons. Le seul jeu qui pourrait vous permettre de gagner ce dont vous rêvez le plus au monde. Mais prenez garde à ce que vos rêves ne tournent pas au cauchemar. Une chose est sûre, celle qui en décidera ce soir, et jusqu'à la fin des temps, ce sera votre hôte, Lady Alea. Merci, merci à tous, je vous adore, tous et toutes. Je suis positivement ravi de vous retrouver une fois de plus dans mon labyrinthe de terreur sans fin. Nos nouveaux concurrents vont-ils gagner gros, ou bien tout perdre? Accueillons tout de suite le premier d'entre eux. Le guerrier. Eh bien... je suis un dé. Eh oui, très cher, c'est comme ça que ça marche. Dis-moi, beau garçon, quel est donc ce vide dans ton existence qui te pousse à risquer un éternel embrouillonnement entre les mains de la destinée? Quoi? Pourquoi es-tu là, très cher? On m'a dit que je pouvais gagner un Monster Truck. Ouah. Monster Truck, si vous savez ce que c'est très violent comme voiture, hein. Et puis devenir le plus fort du monde. Comme c'est exaltant. Eh bien, tu sais ce qu'on dit dans Dicey Dungeons? Le sort est peut-être contre toi, mais il est maintenant trop tard pour reculer, lol. Ça c'est vrai, on peut pas reculer, ton jeu. Enfin, on peut reculer, mais vite fait. Donc, tuto, je remets la cam. Petite musique de kiffance. Donc on vient de récupérer dans les coffres des cartes. Et vous allez comprendre comment ça se joue. Avec cette semblant de combat. Alors là, il faut que je me pose la question de où je mets la cam. Est-ce que le son est assez faible aussi? Parce que j'ai l'impression que le son est très fin. Attendez. J'avais pas changé le son là. Ah, je peux peut-être activer le... Si, j'avais changé. Pourquoi c'est si fort que ça? Pourquoi j'ai vu affichage? On peut mettre les effets d'écran, les shaders. Bon, le shader, non, on peut le garder. Ça a l'air de bien tourner, là. Ouais. Hop. Par contre, je clique une fois à côté, là, c'est compliqué. Hop, hop. Voilà, et je vais juste essayer de placer la caméra. Parce que, oui, d'ailleurs, il faut que j'enlève ça aussi. Parce que là, il n'y a plus besoin. Poum, 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 poum. Alors. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... je sais pas si je me mets là... Mais il y a un problème de capture à chaque fois. Qu'est-ce qu'il me fait là? À chaque fois que je touche la cam, il me fait un truc bizarre. Attends. Ah non, c'est parce que j'ai quitté le truc. Oui, c'est ça. En fait, il le rétrécit. Bon, alors on va voir si ça fonctionne comme ça. Un nouveau combat, c'est l'heure de faire chauffer le plasma. Donc, Space Marine. Pour petite référence à un jeu. Donc là, on a une épée. Donc l'épée, il faut que je... Par exemple, j'ai un dé de 5. Ça fait 5 dégâts, ok? Vous avez utilisé un 5, donc vous lui avez infligé 5 dégâts à son tour à présent. Donc là, il faut qu'il aille jusqu'à 20. Et du coup, il doit en comboter avec ses dés. Oh, j'ai eu un 20. Tant pis, ça peut arriver. Le guerrier a une capacité spéciale. Vous pouvez relancer jusqu'à 3 fois par tour. Donc là, je relance un dé. 1-4, réessayer. 1-3, plus qu'un essai.
Oh, un 6, parfait. 6 de dégâts, bim. Voilà, c'est pas très très compliqué. Oui. Lorsque vous subissez des dégâts, votre exaspération augmente. Cliquez sur Fury pour l'utiliser. Je clique. En Fury. Alors là, ça va barder. Je lance mon 6. Et je peux taper deux fois avec la Fury. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Le son, il monte très fort, en fait. Hein. Je sais pas si c'est dérangeant. Et du coup, on peut récupérer des vies. Et là, on a une hache de guerre, par exemple. Hop. Choisir la hache de guerre. Donc, c'est max 4. Donc là, c'est max de D. Et après, j'arrive à 4. Enfin, si j'arrive à 4, c'est bon, c'est inclus. Mais le truc, c'est tout ce qui est en dessous. Donc, il faut calculer par rapport à ce qu'on peut faire. Vous allez comprendre. Les personnages, j'adore les personnages qui sont en face de nous, c'est génial. J'adore cette petite tête là. Alors, par exemple, là, on va faire ça. Là, je peux relancer le dé, pour avoir un 4 quelque part, merci. Voilà. Et là, je fais deux fois plus de dégâts. Certains équipements infligent des effets d'état à l'utilisation, par exemple, la boule de feu, elle brûle. Là, on va voir brûlure. Mais le feu au prochain dé coûte 2 PV pour t'éteindre. Donc là, par exemple, si je clique dessus, ah, je brûle. Par exemple, pour faire ça. Hein. Non, mais respecte-moi. Voilà. On va se brûler quand même. Bim. Fury. Et hop. Nick. 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 Ah, mais vous voyez pas du coup ce que je gagne. Oh. Où je peux placer ma tête? Sinon, derrière dans le dé, peut-être, je sais pas. Attendez, je vais essayer de modifier la... Si je me mets là, genre... Après, on voit pas le dé, peut-être qu'on verra. Vous récupérez tous vos points de vie en gagnant un niveau. Ok. Et donc, on va aller chercher les autres trucs. Brûle. Équipement. Donc là, il y a mon sac à dos. Donc par exemple, là, j'ai allumette, hache de guerre, etc. Donc ça sera limité, mais je pourrais avoir un sac à dos plus grand. Donc ça, c'est ce qui est équipé plus tôt, et ça, c'est le sac à dos. Pardon. Excusez-moi. Et maintenant, on a triché, qui est quand même un truc pas mal, parce que en fait, c'est valeur de 1, si vous avez regardé. Valeur de 1, ça veut dire que je peux lancer un dé n'importe lequel, et ça me fait plus 1. Et là, il faut que ce soit un paire. Donc ça fait 2, 4, 6. Ça veut dire 3 dés potentiels. Et en randomisation, c'est compliqué, quoi. Donc, on va voir. Voilà. Salut, l'ami. Et c'est très, très fort pour moi. Hein. Je comprends pas. J'ai baissé le son à 40%. Pourquoi il m'embête, là, avec son histoire, là. C'est archi fort. Là, c'est bon, là. Normalement, ça devrait être bon. Mais la voix... Mais même, c'est très très fort, en fait. Son. Parce que c'est la musique qui est très fort. On va faire ça. On va tout baisser à 60. On va mettre 65 pour la voix. Là, c'est mieux. Ok, là, c'est mieux. C'est l'heure pour vous de mourir. Le fou change d'équipement à chaque tour. Ok. Au besoin, vous pouvez voir les capacités de l'ennemi ici. Donc, on peut regarder ce qu'il fait. Donc là, il gèle en impair et en impair. Donc, il faut partir sur le fait qu'ils vont avoir des bons random. Hein. Donc là, par exemple, si je fais ça, bim. Ça, je vais relancer ce dé pour aller jusqu'à 4, si c'est possible. Bon, vas-y, il y a un pair de 6, c'est très bien. Bon, c'était pas mal.
Donc voilà, le gel, ça enlève un de dés. Donc par exemple, là, si je veux faire un... Faut que je triche, faut que je fasse 2 pour pouvoir faire un 2, quoi. Par exemple, si je fais ça, hop, je peux faire ça, quoi. Là, je vais relancer celui-là. Voilà, max 4, c'est très bien. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Ça aurait pu être le 6 qui brûle, hein, quand même, hein, non? Donc là, c'est du père. Et du coup, il va m'électrocuter. Donc ça fait quoi? Désactive temporairement un équipement. Utiliser un dé pour le débloquer. Voilà, donc là, par exemple, j'ai plus rien à utiliser. Faudrait que j'utilise un dé pour pouvoir débloquer. Donc par exemple, la hache de guerre, je sais que ça sert à rien. Parce que là, j'ai pas de... Quoi que je pourrais débloquer ça et après utiliser la hache de guerre. Mais c'est max 4. On va faire ça d'abord. Bim. 2, mais non. 4, oui. Voilà. Donc c'est un peu strat. Faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Là par exemple, on n'a pas perdu beaucoup de vie. Donc ça va. Je sais pas si par exemple, est-ce que je perds de la vie gratuite ou... Ouais, c'est ça aussi. Donc là c'est max 4, on va faire brûle de 6 et puis voilà. On va pas jouer le 1, ça sert à rien de jouer le 1. Murmure, affaibli. Alors ça c'est... j'ai trouvé que c'était très compliqué de jouer avec le affaibli. Temporairement un équipement, l'équipement perce de sa puissance. Mm-hmm. Alors, et en fait tu peux plus jouer avec ça. Donc là par exemple, faudrait que j'augmente uniquement... pour avoir l'épée. Et là on peut plus jouer du coup. Ok ok. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Moi j'aime bien le jeu en soi, il est plutôt cool. On va faire max 4, hop, bim. 8. Et là, par exemple, brûle de 1, c'est bon. Non, non. Ah oui, non, faut que je fasse 2. Bon, tiens. Voilà, comme ça, c'est fait. J'aurais juré que c'était l'heure pour vous de mourir. Ma montre s'est-elle arrêtée? Vous savez quelle heure il est? Victoire! Et là, ça a l'air bon. Oui, la caméra est bien placée. Et du coup, on a fini le monde. Et je crois que c'est le tuto qui est fini aussi. Voilà. Donc. Maintenant, on a d'autres petits bonhommes. Avec d'autres techniques et d'autres attaques, plus du coup là, vous allez voir, on peut acheter des attaques ou de l'équipement dans ces petites roulottes. Bon bah ça va être cool, on va essayer de faire des trucs bien. Donc là on a 26 sur 28, il faudra faire attention à la vie. Par contre on n'a pas beaucoup de thunes. Voilà, donc il faut s'en rappeler. Donc on va regarder les coups déjà. Max 5. Et il faut qu'il cumule pour faire tir de canon. Ça fait 6 de dégâts de brûlure. Et de l'autre côté, c'est dégâts plus 1 sur un 4 réutilisable. Il peut réutiliser s'il a un 4. Ok. Donc là, on va hop, direct. Bon, bah, brûle, hein. Mais. Ouais, merci. Pas possible, ça. Hein. Ça, l'histoire du 6 qui brûle, ça c'était beau ça. Ah bon, de direct, bim. Ah non, mais là ça sert un peu à rien. Parce que là en fait, si je fais paire, bon, on va faire un paire à 6, hein, et puis voilà. Ah, bim. Par contre, là, je peux rien faire, donc on va relancer. Max 4, allez. Un 4. Bon, voilà. Voilà, c'est bon. On a gagné un niveau. Et on peut choisir du coup bouclier à pointe. Ça c'est pas mal parce que bouclier à pointe ça fait en impair bouclier. Donc du coup ça permet de nous protéger si jamais on a un problème. Et le boomerang, alors ça par contre le contre-coup de coup, sachant que tu fais deux fois de dégâts en envoi, parce que ça fait une fois, c'est comme si tu le tapais là, avec. Et après il revient pour le taper, mais tu le prends quand même. Donc par exemple si je fais un 6, ça fait deux fois 6, ça fait 12. Et toi tu te prends 6 quand même, donc on va choisir le bouclier plus. Et en équipement du coup, il faut choisir. Donc là, par exemple, max 4,
en allumettes, c'est pas très intéressant. Peut-être qu'on va essayer de prendre quand même de la protection puisqu'on est ric-rac en vie. Oh, faut être... Non, parce qu'il y a de la vie juste à côté pour l'instant. Donc on va prendre... On va garder ça. Le tricher et l'allumette, c'est pas mal pour l'instant. Il y a de la vie ici. On prend. Après, peut-être. Je sais plus ce qu'il fait l'enchanteur, mais j'adore ses chaussettes. Alors, l'enchanteur, il fait quoi? Ah, il a des sorts. Il a que des sorts. Ah oui, c'est vrai. Et lui, quand tu lances des sorts, du coup, il faut avoir pile. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, on peut savoir ce qu'on va, à quoi on va être mangé au moment où... au moment où on l'utilise, quoi. Bon, là, c'est pas mal. J'ai bien fait de garder ça. On a tout. Tout est bien lancé, c'est bien. Donc là, c'était de la vie qu'il a gagné avec un 6, mais il a eu de la chance d'avoir un 6, hein. C'est pas possible, ça. Oh, c'est fini. Oh, j'ai pas vu le temps passer. C'est beau. Voilà, alors. Tricher, bon, on en a là deux, c'est pas grave. Comptez max, c'est très bien. Ah, la trousse de soins. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça peut être bien, parce que je crois que le guerrier, c'est le problème, c'est qu'en fait, si... Mais faut aller au max 16, c'est énorme. Ça veut dire que... Sur un dé de 6... Il faudrait que je fasse 6... Au moins 3D. Au max. Au moins 3D, c'est beaucoup. En fait, c'est comme ça que tu réfléchis. Donc là, max 3, c'est intéressant, parce que on peut avoir du 1, 2, 3... ça fait un dégât de poison avec la griffe, c'est pas mal. Dégât de poison à chaque fois, ça peut être intéressant, mais c'est ça voudrait dire qu'après on peut se protéger. Ah, en fait, ce qui me travaille, c'est la trousse de soins, on peut l'augmenter après. On va la prendre. Je pense qu'on va la prendre, ça coûte 2. C'est peu cher, comme on dit. Alors, l'équipement, du coup. Là, on a triché, mais valeur de 1, c'est intéressant. Parce qu'on, par contre, on peut essayer de voir. On peut garder ça. Peut-être qu'on attend de augmenter. On verra au niveau de la vie. Je pense que ça va être ça jouer comme ça avec les personnages. Là, il y a du people autour de nous. 3, 2. On va faire 2. Et après, on va pouvoir augmenter un peu notre... Alors, on n'a pas utilisé Fury en plus. Encore. Okay. C'est très bien. Bon, pour l'instant, on est bien tombé. Là, pour l'instant, c'est pas compliqué. Je crois que c'est un jeu pour enfants aussi. Hein. C'est comme Gato Roboto. Hein. Ah oui, cécité. Alors, cécité, ça fait les valeurs de dés sont invisibles. Donc, on sait pas exactement ce que ça coûte, ça. Alors, si je fais ça, je sais pas exactement. Est-ce que je peux faire un ? Non. Donc, j'ai moins de 4. Est-ce que c'est un pair ? Non. Donc, ça doit être... C'est plus de 4, et c'est pas pair, donc c'est 5. Voilà. Bon, on va lancer ce dé ici. Et on va essayer de le relancer. Non, on relance, quoi. Ah, max 5, ça c'est... Ah bon, on va faire un... Ah non, c'est max. Bon, c'est pas grave. Très bien. C'est pas grave. Ça fait 2 brûlures, c'est très bien. Voilà, t'es obligé de brûler. Alors, est-ce que c'est un pair ? Non. Donc c'est 3, 5, 1. Est-ce que c'est max ? Ouais, c'était 1. Donc c'était 1. Ou 3. Je n'ai pas regardé. Bon, c'est bien, on l'a bien trouvé. Alors, ok. Bon, on a de la vie. On va aller d'abord augmenter notre truc. On a de la paye. Est-ce que je peux améliorer, genre, ma trousse de soins ? 12. Ah, c'est pas mal, ça fait 2 dés. Max. 2D max. Et le bouclier à pointe, il rétrécit ou pas? Non. Donc là, en fait, on peut rétrécir aussi l'emplacement. Mais par contre, on peut faire bouclier à pointe, c'est pair et impair, et max 6. Donc c'est bien. Ok. Et équipement. Tricher, ça augmente de 2 fois, je peux l'utiliser. Ça rétrécit la hache de guerre. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, si je fais cumul... plus trousse de soins, la hache de guerre.
Ça permet de la garder. Là, si j'augmente, ça fait plus 1. Réutilisable. Ça, c'est pas mal aussi. Les réutilisables sans que ce soit pair. Ça, c'est cool. Parce qu'en vrai, on brûle qu'une fois, quoi. On va faire la trousse de soins. Je crois qu'on va faire la trousse de soins. On va faire l'âge de guerre. Ça va rétrécir. Voilà. Et en équipement, on va mettre la trousse de soins. Au moins pour l'essayer, si jamais on a un problème, au moins on sort. On reprend de la vie, on va voir lanceur soleuse. Donc on peut payer quand on veut, hein, pour la trousse de soins. Donc là par exemple, logiquement je devrais faire ça, enfin logiquement non. Je vais utiliser ça même... Ah ouais mais je peux pas le faire. Hein. Ah oui c'est pair toujours. Dang. Bon, merci. Et vas-y, on croise les doigts. C'est pas pair. Hop, on met 5. Merci. En fait, j'aurais peut-être dû enlever l'allumette. J'aurais peut-être dû augmenter l'allumette. Ouais, j'ai Fury. Ça y est, c'est bien. On va pouvoir jouer Fury. Donc Fury, je rappelle, Fury, c'est je peux jouer deux fois. Hein. Alors, répète la prochaine attaque. Donc je vais faire 6. Fury. Et 2 fois 6. 12. On va relancer ce dé. Ah, je peux faire remarque, je peux faire ça. On relance ce dé. Voilà. Elle fait un peu mal quand même. Hein. Même beaucoup. Hein. On a récupéré de la vie, c'est parfait. Parfait. Et en un dé supplémentaire, c'est magnifique. Cookie au chocolat, répète la prochaine attaque. 12. 12. Alors moi, j'ai déjà le truc de... Pour répéter, j'ai déjà le... Je suis déjà guerrier, donc le cookie au chocolat, ça voudrait dire qu'il faudrait que je paye, sauf que ça me permet... Ça m'empêche de payer mon trousse de soins. Bon, on va voir la jarre. Je crois que la jarre, c'est un des pires ennemis que je trouve. Il est poisonné, quoi. Résiste au poison, en plus. On n'a pas poison, donc c'est très bien. Donc, on a 5. On va faire 6 directement de dégâts, comme ça. On a max 4. Ok. Ça, on pourrait brûler juste pour le gratuitement, mais on va pas le faire comme ça. Peut-être que le relancer le 1. On lance le 3. Oui, c'est bien. Un pair. Hop, bim. Et on met 5. Parce qu'en fait, faut l'empêcher de jouer. Il nous empoisonne, ça va vite. Ah, il a quand même pas grand chose en vrai. 3. Ok. Ah ouais, mais ça va très vite par contre. Oulala. Donc, hop, on va utiliser Fury pour le 6. Voilà. On a. Bah max 4 hein, de toute façon, donc voilà c'est fait. On va récupérer de la vie, voir ce qu'on peut acheter. Oh, vous venez de rater un adorable petit béret, mais bon, il nous reste encore tout plein de choses en stock. Épée large, ah, attends. Ça prend la même place que l'autre. Ça fait plus de dégâts, c'est pas mal. Hein. Charme de minuit, obtient 2-6. Ah, c'est pas mal en payant 6. Mais bon, c'est un peu gratuit. Targ, c'est un bouclier, donc ça me permet de... Ah, je peux mettre des boucliers quand je veux. Mais il faut que j'aille jusqu'à 2. Donc ça m'empêche, en fait. Donc on va faire ça. On va changer l'épée. En épée large. Ouais, c'est très bien. Pic. Bon, ça, c'est les rangements à la Diablo. Hein. Vous faites comme vous voulez. Oh, la vie. Cactus 3, homme d'osier. Ah, l'homme d'osier, je kiffe son dessin. Et pareil pour le sono oiseau, je trouve ça trop marrant. Mais... Ah, on a un truc vert, j'ai jamais vu le truc vert. Bon, allez, hop, on va voir.
Je crois que le cactus qui est, il défend en piquant. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va faire ça déjà. Et max 4. Voilà, très bien. Donc là, il nous faut un paire, donc on va garder le 2. Si on peut grossir le truc, encore un peu. Oh, c'est pas grave. Il faut qu'on lui brûle un peu. Parce que dans ses attaques, il a cactus pique. Et ensuite, il a cactus défense. Donc ça permet de faire une attaque plus 1 pour chaque épine. Et ensuite, voilà. Alors pour 1 chaque épine, ça, ça dépend de, j'imagine, son lancer. Donc là, il a ses paires, donc on va mettre 6. Ah, c'est tout? Ok, bon, allez, après un 6, plus de 12. Plus de 12, plus de 8 plutôt. Max 4. Et il est dead. Ok, là on est bien. J'ai bien fait d'augmenter la hache. Donc il craint le feu. Donc ça c'est bien, on va pouvoir bourrer notre feu. Donc ça, on n'oublie pas. Le 6 pour le coup. Hop, on a des bons jets en fait hein, depuis tout à l'heure, je remarque. On l'a utilisé deux fois comme ça, c'est bien fait pour sa tête. Et ça va vite. Et là on est en furie, c'est magnifique. Ah, il nous a retransmis le feu. Ah bon. Vas-y, un bon dé là, s'il te plaît. Oh, bon, brûle, non? Ah mais j'ai plus rien, bon. Donne-moi 4. J'ai pas de paire. Hein. Donc on va. Hop. Ah, j'ai oublié de faire la furie. Ah, Dane! J'aurais pu lancer mon 2x6. Ça aurait été bien ça. Bon, c'est pas grave, on va l'utiliser maintenant. Bon, hop, ça tient 6 déjà. On va utiliser le feu. Et hop, c'est fini. Faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à aller vite en fait. Bim. Alors ça c'est dédicace à Poutou, c'est, tu mets un pelle et t'es affaibli. Sur un 6, ça affaiblit un équipement. Ah c'est intéressant, donc ça serait un dé. Ah sinon ça fait que des dégâts. Oh c'est pas mal, ouais. Ah là 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 là. Du coup ça prend de la place, oui, j'imagine. Ok. Bah là on est bien en fait sur notre choix. Faut pas que j'oublie parce que là on a plus beaucoup de vie avec notre cher de monter la vie. Donc là par exemple on va faire 6, 5, hop, 6, 5 dedans, max 4, je vais faire ça, je sais plus ce qu'il a dit qu'il préfère, qu'il faisait quoi, croissement, double requis, donc il faudrait avoir deux fois les trucs, ça réduit au silence, donc ça me permettra d'enlever des, ça m'enlèvera des trucs. Ah il a quand même son écosismique là, ça enlève des équipements, dingue. Est-ce qu'on ferait pas ça? On va essayer de garder de la vie. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Parce qu'en fait, j'aimerais bien gagner de la vie pendant ce combat. Parce que c'est il va avoir du mal à... Il va avoir du mal à me taper avec son double. Ah oui, quand même. Bon. Ok. Donc ça va être ça, c'est pas mal. Donc là, si je mets 3 là, je peux lui brûler un deuxième équipement. Attends, je vais relancer mon 3. Oh là là. Allez, on relance. Voilà. Je vais mettre 5. Là, il a deux équipements brûlés. Oh, le 6, c'est trop bien, c'était des paires. Yes! J'ai bien fait de faire ça. Par contre, tu vas devoir les jouer. Voilà, je suis muet maintenant. Ok, donc là il m'a bloqué vraiment tous mes équipements, quel enfer. Oh c'est trop bien, il a toujours la trousse de soin, bim. Voilà, donc ça c'était bien, ça c'est bien. Placer les 2 dés pour briser le silence.
Bon, tant qu'à faire. Voilà, comme ça au moins le silence il est enlevé. Oh non, il a double 6 encore. Voilà. Donc faut le taper. Hein. Je suis désolé, mais faut le taper. Près dans 7 PV. Bon, on va les claquer. Hein. Ouais, la furie, elle est pas tout de suite, donc. Ouais, c'est pas loin la furie là. Donc ça serait pas, ça se pose pas comme question ça. Ouais, comme ça on l'empêche de jouer. La vie là, par contre. La vie, s'il vous plaît. Ah. Ah. Déjà ça. Ah mais là, si je dépose les deux... Bon. Je vais faire ça, en fait, plus. Ça change rien, hein. C'est juste pour enlever le truc, mais la furie, je la garde pour après, en fait. Là, ça aurait été magnifique de débloquer le truc. Bon, on va faire ça. Hein. On va débloquer. Voilà. On va faire la furie. Et valeur de 1, et voilà, brûle. Pourquoi il a son double là? Quel enfer. J'en ai marre d'avoir silencié. On a silencié tout le temps. Pas la, pas l'épée. Ouais, l'épée, elle est bien. Ça, ça passe. Ah, mais la esquive. Quel enfer. Tiens, esquive ça. Il a pas les paires, c'est bien. En fait, il m'empêche de jouer, ça m'embête. Oh là 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 là. Tiens. Ah, j'ai payé là. J'ai payé quoi là? J'ai payé quoi? Ah, c'est, ça marchait ça? J'ai même pas vu. Je voulais juste lancer le feu, mais apparemment ça marchait. Max 3, 4, bah tiens, 6. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a des vies? Ah. Est-ce que je peux avoir le coup de bouclier? Ça permet de faire un double requis, frappe avec le bouclier. Mais ça, ça veut dire que c'est un truc à rajouter. Je veux bien améliorer l'équipement, en fait, plus. Genre trousse de soins, je passe à 12. Valeur 1. Âge de guerre plus, j'ai plus d'amélioration. Plus 3 avec l'épée de guerre. C'est pas mal, ça. Plus 3. Ouais, c'est la vie qui va être short. Surtout si on se retrouve encore une fois. Avec... et l'allumette, ça serait bien de l'utiliser quand on veut. On va améliorer la vie. Ah, je peux transformer en bâton. Ah, c'est ça. Salut, ici on fait des échanges, genre vous me voyez, vous donnez un truc et je vous donne un truc, ok. Ok. La trousse de soins. Contre le bâton. Bah non, clairement pas. Même si ça fait 8 dégâts... Ah ouais, mais en plus, tu dois mâcher 8. Oh, ouais, non. Excusez-moi, au revoir. Oh, il y a une chanteuse. Soliste. Excusez-moi. Cristalline. Ça coule de source. Niveau 4. Voilà. On va aller du côté de la vie. Hein. On va aller du côté de la vie. Et oh, la cosplayeuse, elle est trop bien avec ses cartons. Niveau 4, après c'est niveau 5, on va dire, on va faire ça.
on va essayer de faire. Crains le feu. Bon, c'est très bien. On a des allumettes, c'est efficace. Bon, alors ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Je vais mettre 2 ici. Et je mets 4 là. Ah, il gèle. Ok. Donc, il me fait perdre des points. Oh, il me remet à 1-1. C'est violent, hein. Ça fait 6 hein, de toute façon, donc moi je suis très content. Voilà. On va relancer ce dé. Oh, magnifique. Et on va relancer ce dé. Encore. Voilà, c'est gratuit, pour rien. Je l'ai pas brûlé là en plus. Oh là là. Ça, ça aurait été bien de le brûler par contre. Mais il m'a pas tapé. Et ça, c'est bien aussi. Donc c'est un père. Brûle. Brûle. On fait le 6. Voilà. On lance moi ça. Et voilà, le 4. Bim. Rien de tel qu'une bataille de boules de neige, on a bien rigolé. Bon. 37 sur 40, c'est pas mal. La cosplay, je sais pas à quel niveau elle va jouer. Donc et je sais pas quelle attaque elle a, mais donc on va voir. C'est possible que je perde là. Cosplayeuse craint le feu. Bon, on va faire le feu. On va faire du feu. Bon, voilà, hop, comme ça, bim. Déjà, t'as du père. Ensuite, 6 pour le cadeau. 4 pour le cadeau. Et ce serait bien de faire un truc genre un père. Oh, 6. Ah non, mais ça, c'est gratuit. Par contre, je vais récupérer de la vie. Hein. On se prépare pour la vie. Épée en carton, 9 de dégâts. Ah, ouais. Ah, ça verrouille des dés. Oh. Non! Ah, c'est dur! C'est dur! Ça, c'est pas mal déjà. On peut pas les utiliser, quel enfer! Ok, on est en furie, c'est très bien. Et on a 6. Magnifique. Bon, déjà ça c'est gratuit. Ensuite, bon, on va faire un pair avec le 2. Bim. Est-ce qu'on se fait de la vie là? On a 7 points de vie. Peut-être attendre. Est-ce que je peux relancer ce dé juste? Max 4. Bon, là, hop, la vie déjà. Allez, encore. Bon, c'est pas grave. Voilà, 3. Bon, l'allumette, c'est pas un... Ah, ça y est, ça verrouille. Ok, elle utilise plus le feu, elle a pur. On augmente ça, bim. Et c'est fini. Le verrouille le dé sur un... de l'ennemi. Donc du coup, ce que je mets, ça verrouille un dé. Ah ouais, mais c'est... ouais. Ah, c'est très spécifique. Ça veut dire que si j'ai s'il a un 6, il me verrouille mon 6, quoi. Bon, on va faire d'abord la cristalline et après on va peut-être récupérer de la vie. Je sais pas ce que. C'est encore de l'eau qui craint ou bien bon, ah, il craint rien, d'accord. C'est quoi ces coups? Créer une arme de cristal aléatoire, créer une arme de cristal aléatoire. 6, 6, 6. Il faut qu'il ait des 6. Ok. Bon, ah, très bien. Si t'as envie d'avoir un 6, prends des 6. Hein. Bon, père. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Non. Ah, c'était ça que je voulais faire. Oh, j'ai claqué ce truc. C'est pas incroyable, hein, la vie. Maudit l'ennemi. C'est quoi la malédiction? 50% de chance d'échec des équipements disparaît après activation. Oh bon, on va croiser les doigts. Hein. Ok. Ça, ça passe. Oh non, la malédiction! On a ça. Ouais, bah, je veux bien. Ok.
Donc là, c'est... bon, comme ça, il ne l'utilisera pas une nouvelle fois. Ça, c'est bien. Et la vie, on l'a sous le coude. Voilà, c'est bien. Deuxième malédiction. Cristal de terre. Ça affaiblit un équipement. Ouais, ça, c'est bien. Il l'a deux fois, mais donc, du coup... Cristal creux. Ok. Il a du dégât gratuit. Bon, hop. Nous aussi, on va avoir du dégât gratuit. Oh non, c'était celui-là. Allez, un 6. Allez, un 6. Bon, ça va. On baisse un peu. Et voilà. x4, on aurait pu mieux jouer, c'est ce qu'il nous a dit. Ok, on a pris trop de sorts dans la tête. Bon, là, on va récupérer la vie, par contre. On revient ici. Améliorer l'équipement. Donc, restaure 10 PV, donc ça, c'est pas un problème. Balle de jonglage. Max 3, octroie 1D. Ah! Ouais, bon, je veux voir juste ce qu'on peut améliorer. Plus 3, c'est magnifique. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, je pense que ça peut être nécessaire, en fait. Valeur du D plus 1. Deux utilisations ce tour. Oh, ça, c'est mieux. Le feu, c'est bien, ça bloque bien. Et que ce soit en impair aussi, ce serait magnifique. Oh, elle chante. Trop bien. Donc là, par exemple, je peux faire plusieurs fois. Et ça, c'est cool. Par contre, là... bon. Voilà, comme ça on l'a sous le coude. On va changer ça. Non mais un 4 au moins. Ça veut dire que par exemple là, la 4D, on peut bloquer 4 avec 4 de nos dés, si jamais il y a un problème. Ça c'est pas mal. Là par exemple. Ça m'intéresse pas trop hein, ce que j'ai. Max, on va mettre 3. Hein. Bon, là, elle va forcément brûler. Elle est obligée. C'est les grosses cartes en plus. Voilà, c'est bien. Le feu, c'est pas mal parce que ça donne gratuitement 2. Et là, elle va prendre 8 x 2. Voilà. Bon, après, là, ça sert à rien d'augmenter, parce qu'en soi... voilà, on va lui faire brûler encore ses 3D, là. Oh, la vie qui part vite. Ce serait bien qu'on ait notre déblocage, là. Merci. Peut-être que j'aurais pas dû utiliser mon 3 là. Oh, Dane. Est-ce qu'on peut relancer juste celui-là? Merci. Voilà. Ça craint. Bon, l'adversité est un stimulant de la créativité, je vais en faire une chanson. Super. Niveau max. Et un 2 supplémentaire. Super. Alors, est-ce qu'on augmente notre DPS ou notre possibilité de tricher? Je crois que notre DPS est peut-être mieux. Je crois qu'on n'a pas grand-chose d'intéressant à côté à part le bouclier. Et je sais pas si on a un boss, donc... on va augmenter notre coup. Voilà. Bah, la vie, on a passé le niveau, donc pas de problème. Est-ce qu'on peut revenir là? Il y a quoi, encore? La vie et la balle de jonglage. Bon, c'est pas... C'est bon, au revoir. Le guerrier contre Béatrice. Alors, je sais pas, Béatrice, elle a l'air de piquer, j'ai l'impression. C'est le boss. Est-ce qu'on va gagner? Je ne sais pas. Tiens donc, encore un dé. J'apprécierais parfois qu'on varie un peu les plaisirs. Enfin bref, allons-y, la défaite attend, pauvre dé. Bon, on est plutôt bien équipé. Et elle choque. Donc du coup, ça veut dire piqûre d'abeille 5-5-5-5.
Par contre, à chaque fois qu'elle a un pair, elle esquive l'attaque. Très bien. Esquive ça. 61. Ah oui, d'accord. Ça rigole pas. Et on va lui brûler 2 dés gratuitement. On prépare notre vie. Hein, 4 gratuits, hein. Purée, elle a que des 5. Ah, faut que je libère en plus de choc. J'avais oublié si tu y... comment on va faire? Je crois que je vais utiliser ça déjà, obligatoirement. Ah, j'aurais dû faire le double. Oh, j'ai oublié ça. On va faire ça. J'ai encore oublié. Bon, bah, ce sera pour le prochain tour. Hein. On perd 4, donc ça fait 8. Enfin, y a peut-être 9. Mais peut-être. Donc là, elle me donne forcément un coup. Là. Hop, on récupère 8. On va claquer 4 ici direct. Elle esquive, ok. On va débloquer. On fait valeur plus, fury. Ok. Bon là on peut pas... ça sert à rien. Pour rien faire. Elle a que 1 5, c'est bien. Et un 3. Est-ce qu'elle va faire le 3? Ah non, elle fait 2, ok. Ok, ok. Bon, déjà, le... ce qui est pratique, c'est ça. Je peux faire direct 6, ça me fait de la vie. Non, on va faire ça. Parce qu'on sait pas quand on pourra le refaire, donc voilà. Hop, re 6. Et ça serait bien qu'on puisse débloquer l'allumette ou l'âge de guerre. Si je débloque l'âge de guerre, il faut que j'utilise le 5 et l'allumette, je peux faire avec le 2. Ok. Ouais, c'est ça sert à rien maintenant. C'est plus pair. Est-ce que j'ai un pair? Non. On va lui brûler quand même un truc. Bon, la vie, ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. Elle a quand même des double 6, c'est infernal. Wow, on est à 20, on est à 16. Parce que là, si je l'utilise sur ça, ça fonctionne ça la fury? Répète la prochaine attaque. C'est pas une attaque en fait. Par contre, je peux faire ça. Bah voilà. Et voilà, premier boss. Félicitations, votre toute première victoire. Je suis super fort maintenant. Eh bien non. Mais vous êtes bien parti, vous avez réussi à achever un épisode. Il n'en reste plus que 35 autres de difficulté croissante. Attendez, 35 de difficulté croissante? Attendez, j'enlève les cams. Lol. Mais évidemment, à chaque fois que vous terminez un épisode, vous gagnez une chance de... faire tourner la roue. Et si la roue tourne sur une étoile, vous gagnez le droit de quitter les donjons et vous repartez avec ce dont vous rêvez le plus au monde. Super. Préparez-vous à faire tourner la roue. La roue. Faudrait un scandale, là. Oh pardon la roue. C'est pas du tout une dénonciation des jeux d'argent ça. C'est parti. Oh je vais tomber sur la mort, on connaît l'histoire. J'ai même pas lancé. Bon, allez. Ouh, pas de chance, aucun prix pour cette fois. Mais ne vous en faites pas, il reste encore plein d'épisodes. La roue, la roue. Vous pouvez arrêter maintenant. Ok. Ah donc on a fait premier niveau de difficulté, j'ai l'impression. Et on a le voleur, qui
qu'il y a des super dents. Donc là, par exemple, la difficulté, on l'a faite. La difficulté, elle est plus dure. En fait, je suis venu pour gagner, mais pas pour me faire des amis. Les autres aussi, mais franchement, ils n'ont aucune chance. Vous allez voir la différence de jeu avec le voleur. Applaudissez notre prochain condamné. Je voulais dire concurrent. Il a de grands espoirs, il rêve grand. Et il a signé une clause de renonciation à toute poursuite judiciaire. C'est le voleur. Attendez, cette histoire de D, c'était littéral? Tout est littéral avec moi. Alors dis-moi, petit voleur, qu'est-ce qui t'amène dans mon arène des destins fatidiques? Ok, un D. Bon. Alors, mes amis m'ont l'air de prendre tout cela au sérieux, mais moi, si. Et j'ai la ferme intention de remporter $1 milliard. Et que feras-tu de tout cet argent si tu gagnes? Tout ce dont j'aurais envie, pour le restant de mes jours. Oui, la fortune sourit aux audacieux. En tout cas, c'est ce que croient ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Allez, c'est parti. Donc, c'est bien d'avoir appelé Lady Alea, le perso de... Le perso qui gagne tout le temps parce que c'est la banque. Et que vous connaissez le système des casinos, c'est la banque qui gagne tout le temps. Donc voilà. Résiste au poison. Il est trop mignon, le loup. Petit loup. Donc il répète la prochaine attaque avec 8. Et après, il a des paires. Et il fait 4 de dégâts direct. Donc avec le voleur, ce qui est un peu plus compliqué, c'est... Il y a un lancer foireux. Le lancer foireux est rigolo, par contre. Vous allez voir. Je remets la cam. Et du coup, on peut casser un dé en 2. Ça, c'est pas mal parce que ça, par exemple, si je coupe le 5, il va me faire peut-être un 4 et un 1 ou un 2 et un 3. Et là, un max 3, j'ai un dag et je peux le réutiliser H24. Et je peux voler des techniques. Donc là, on a waf waf par exemple. Donc là, nous, on va faire un dag, on va essayer. Hein. On est qu'au début de toute façon. On casse le dé en 2, ça nous permet d'avoir 2 dags en plus. Voilà. Bon, le cassage, c'est très intéressant. Je sais pas si on peut l'augmenter. Il est en furie. Ok. Oh, c'est pas sympa. Et donc, du coup, on obtient, avec le lancer foireux, 4 dés à 1. On va les prendre. Ça me permet de faire bim, bim, bim. Pour répéter la prochaine étape. Bim. On va en faire jusqu'au bout. Bim, bim. Voilà. Donc l'idée, c'est pas très... c'est pas incroyable, mais c'est plus dur dans le sens où il faut faire attention avec ce qu'on casse. Donc là, on a pickpocket. Pickpocket, ça signifie qu'on peut voler en plus. Donc moi, je vais mettre tous mes trucs de vol au milieu, histoire de pouvoir me retrouver. Résiste au poison. J'adore le style, c'est trop bien. Je peux casser en deux, ou je peux faire directement un paire et je lui inflige poison, mais il résiste au poison, donc ça sert pas à grand chose. On va lui voler. Hop, on lui a volé de la thune. On continue. Alors là, je suis même pas sûr de pouvoir finir hein, avec le voleur. Le guerrier, c'était plus ou moins facile, parce que c'est le plus simple, je pense, à gérer. Et on avait des bons trucs, mais là, au début, c'est compliqué. Bon, là, si je coupe en deux, ça fait 2-2. Mais il résiste au poison, donc en fait, ça ne sert à rien. Si on a un sort de vie, ça pourrait être pas mal aussi. Mal. Oh, oh la vie là, elle est partie tellement vite. Vite, vite, vite. Vite. Ok, un dé supplémentaire, c'est magnifique. Par contre, on n'a pas de vie. Ah si, on a récupéré de la vie, super. C'est très très bien. Bon, on va aller voir direct l'alchimiste. Je découvre les persos. Hein. Alchimiste, du coup, elle a quoi comme attaque? Faut qu'elle aille jusqu'à 8, et après,
Potion piquante, il y a 8 dégâts, 5 de poison, 8 de feu. Ah ouais, ça va faire mal. Et la vie en plus. Oh là là. Faut qu'on aille vite. Faut qu'on aille vite dans sa tête. Ah, par contre, la potion de métamorphe, ça, c'est... on peut le faire direct, nous. Ça reste en 22 PV. Mais si on a volé ça, c'est cool. On va couper ça. Et on va utiliser un père là. Déjà, on va lui piquer sa thune. Ah, elle va pas à 8, c'est bien. Ah si. Ah mais ça change. Non mais non, mais c'est pas possible. Max 3, mais dague. Dague. Et là on a le choix du coup. Vas-y, feu, hein. Écoute. Comme ça, ça fait 3 de brûlure. Voilà, magnifique. Très bien. On récupère notre vie. Oh, c'est transformé. Trop bien. Bon, bah, dégâts et dégâts, hein. La potion de métamorphe. Ah, mais... on est transformé jusqu'à la fin. On fait que du dégât. Mandale d'ours. Ok. Bon, bah, on va voir, hein. Ah, ça y est, c'est fini. On est transformé maintenant. Torgnole d'ours. Ok. Ok. Bon, bah... Rends le dé. Merci. Le marshmallow est génial. C'est gris mauve. Quel, j'aimerais trop l'avoir en sprite, ça. Torgnole d'ours, 10 de dégâts direct. Comme ça, c'est gratuit. Hop, tiens, prends. On est imbattable. Je sais pas jusqu'où on va continuer à être comme ça, mais... charge d'ours. Répète la prochaine attaque. On avait combien de vie? Je me rappelle plus. Bon, on va prendre ça. Même... ah, on a 32 vie. Ah oui, bah, c'est pas mal. Mais du coup, on est transformé, c'est jusqu'à la fin, quoi. On a totalement joué de se changer de jeu. Ok. Bon. Il rend le dé, c'est magnifique. Cette histoire de rendre le dé, c'est beau. On avait du mal à jouer, et là, on a... ah, cécité, c'est chiant, par contre. Bah écoute, est-ce que c'est 3? Oui. Bon, c'était très bien. 6. Je peux mettre 2 baffes quand même, c'est incroyable ici. Et 10, bam! Non, mais on va faire ça. Oui. On garde notre torgnole pour plus tard. bah voilà, bon, on va aller chercher des vies, hein. Pic, pic, pic. Entrez donc, quelle allure vous avez, tous ces poils, tout ça, vous va ravir. Par contre, désolé, mais je doute d'avoir quoi que ce soit à votre taille. Oh non, ça veut dire qu'on peut vraiment plus augmenter nos équipements. Dane! On peut que trouver dans les... bon, bah, voilà, hein. Je garde la torgnole pour le niveau au-dessus, en fait. Donc là, pour l'instant, ça va. Là, je peux l'utiliser en premier, remarque, le truc, là. Parce que c'est vrai que ça augmente... ça me rend le dé, donc en vrai... ah, on pourra augmenter nos trucs. Ok, super. Donc là, par exemple, si je fais 4... ah non, c'est max 3, donc en fait, ouais. Hop. Je peux faire une baffe. Et je vais payer.
En fait, contre le... Ce qui va être compliqué, ça va être contre le pélican, hein, le sono, sono oiseau, là. Je peux pas lui faire perdre direct... Aucun effet. Charge d'ours, aucun effet. D'accord, parce que tu voles. J'ai plus aucun effet, bon, mais c'est pas grave. Pardon. Bave d'ours, ça a changé, c'est vraiment que 4 maintenant. Moi, je vais mettre 6. Ouais, je vais pouvoir taper tout le temps. Allez, voyons voir si on peut augmenter. Oh, salut la chimiste. Ah non, minute, c'est vous. Alors, voyons ce que je peux faire pour vos griffes. Plus 4. Mandale d'ours. Max 4. Ça, c'est pas mal. Il rend le dé en plus. Charge d'ours. Ah ouais, mais ça, c'est bien, ouais. En 1 dé, potentiellement, je peux faire... Ouais, mais après, c'est un dé de 5, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 2 chances, quand même. 4... J'ai 20% de chance de l'avoir. Ce qui est un peu... Enfin, je crois. Hein. Si je compte bien. Alors que celui-là, il y a max 4, ça peut être pas mal, parce que ça fait quand même un peu plus... Et le baf d'ours, ça fait... Oui. Bon, après, j'en ai 2 déjà, donc ça peut être... En fait, si ça rétrécissait le truc, ça serait bien. Après, on pourrait le changer, hein, puisqu'on tape plus fort. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on fait ça. Et du coup, il y a quoi d'autre? Non, on a rien d'autre. Bon. J'ai l'impression qu'on va rouler dessus. Ouais, bah là, il est dead. Hein. Il est dead d'avance. En plus, j'ai la tornade de bourse gardée en scred. J'aurais dû peut-être dû augmenter ça, ça aurait été plus simple en fait. Enfin... Donc là il a de la défense. Pidip, 4-4-4, wow, ça va aller vite. Hop. J'ai pas ouvert ça? Non. Échange le dé contre un autre de valeur supérieure. Pas ce que ça fait. Ouais, en fait, c'est je peux échanger jusqu'à 4, hein, et ça augmente forcément 5-6. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire que si j'ai un 4... Ouais, mais ça veut dire que ça va contre mon mandale d'ours. Ah, ça rend des... Non... Mais par contre, répète la prochaine attaque, c'est vrai que c'est plus compliqué à placer, alors que là, je suis obligé de taper. Bon, on va voir pour la suite comment ça se passe, mais... La charge, est-ce que je peux la sortir vite? C'est ça, en fait, la question. Bah là, il y a de la vie. Je peux aller direct, là. Oui, niveau 4, niveau 3. Oh, le sono... Ah ouais, alors attends. Par contre, le sono oiseau, va falloir que je change d'équipement, je pense. On va aller voir d'abord, là. Parce que le sono oiseau, il va me bloquer des trucs. Bon, lui, on va l'enlever 10 direct, hein, parce que j'ai pas envie de jouer avec lui. Hop, ah. Ça... T4, T4. On va faire ça. 5. Très bien. Parce que ça, en fait, c'est bien. Ça dispose de tous les dés en trop. C'est très très bien. Mais je peux aller plus vite du coup. Avec un l'air 5, ça pourrait être pas mal. Hein. Là par exemple, c'est magnifique. Bim, 2 baffes. Max 4, boum. Et voilà. Déchire un gros dé en plusieurs petits dés, ça c'est pas mal aussi. Ah, oh, c'est compliqué. Parce que là, c'est, je prends pique ours avec mandale d'ours, ça devient un truc incroyable. Par contre, ouais. En fait, c'est soit je joue avec mandale, soit je joue sans.
Là, ils sont en train d'essayer de me faire tâter. Peut-être qu'on va voir le changement que ça va faire quand je vais me retrouver face ici, là, dans l'amélioration. On va voir. Ah ouais, ça se joue, hein. Deux baffes, bim, bim. Max cap, bim. Et on dépense. Ah, ça enlève... oui, d'accord, c'est gratuit. Ça aspire des vies. Ok. Ok, donc là, on va devoir changer parce qu'il va nous bloquer, nous. Ah tiens, vous êtes un ours à présent, ça vous va mieux, je trouve. Mais du coup, je ne vais pas grand-chose à vous proposer. Ok, donc c'est vraiment que dans les... Ok, donc du coup, il va nous bloquer. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que les combos, en fait, ça va être compliqué. Donc, échange le dé contre un autre de valeur supérieure, c'est mort. Parce que ça nécessite un combo après. Et déchirer un gros dé, c'est aussi mort. Parce qu'en fait, ça nécessite un combo. Par contre, tout ça, là... Ça peut me permettre de le taper. Bon, on va essayer. Hein. Je crois que j'ai toujours ma tournure. Non, bientôt. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, du coup, on va aller. Hop, direct déjà. Et on dépense le reste. On est à 5, c'est très bien. Il a pas de paire. Magnifique. Ça, c'est par contre, ça, c'est abusé. Franchement, je suis désolé, mais tu vas perdre 10 points de vie d'un coup. Bam. Ouais, mais t'es pas marrant. Je vais pas utiliser tout de suite. Hein. Mais il me le transforme à chaque fois. C'est nul. En fait, j'ai pas compris, mais du coup... ouais, bon, c'est pas grave. Ah, moi, je sens. Plus 4, plus 4. Charge d'ours. 5. Ça serait archi bien de faire le miel. Ah ouais, ça te force un 6. Oh, c'est trop bien. Aïe, 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 aïe. Si t'as 5, ça te force un 6. Et là, c'est... Pique à ours, déchire un gros dé, minimum 4. Ça veut dire qu'à partir de 4, je peux déchirer tous les dés. Je pense que ça peut être important après, parce qu'en fait le truc c'est là je peux pas, là la charge faudrait que je la rétrécisse, parce que comme ça je pourrais faire des combos, et ça il faudrait que je augmente le DPS à un moment, parce que ça commence à devenir compliqué. Donc DPS, ou DPS en fait, parce que c'est ça, mais c'est un DPS en décalé, et DPS c'est dommage par seconde. Échange le dé contre un autre valeur de supérieur, donc 4... Ça, c'est pas mal en vrai, mais le problème c'est que si je fais ça, faut que j'enlève le mandat d'ours. Parce que ça va être compliqué à enchaîner après. À part si je joue que avec le baf d'ours et les torgnoles. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte des coups. Mais là, j'ai pas de vie. En fait, j'aimerais bien avoir de la vie. Donc, on va augmenter. On y arrive plutôt facilement en fait à arriver à 10 en hein. Chaque 2 tours. Là, ça voudrait dire chaque tour presque. Mais du coup, j'aurai un plus. Là, le truc, c'est que ouais, je pourrais le dépenser là. Non, ça, c'est trop... En fait, c'est, très... en fait, c'est soit je joue bourrin, je joue bourrin. Hein. Voilà, je vais faire ça. On va jouer bourrin pour l'instant. Ouh, il y a du people. La dame blanche me permettrait d'augmenter direct. On va faire ça. On va faire ça. 8. 6. Et on dépense.
Oh non, elle a silence. Oh là là. Maudit l'ennemi aussi. Oh là, il y a que... y a les pires. C'est bien, j'ai bien fait de pas prendre les enchaînements parce que les combos, ça m'aurait fait mal. Eh bien, prends. Ah, c'était celui-là, étrangement. Ça me traumatise. Pas du tout. Ouais, c'est la vie qu'il nous faut, en fait. Parce que, oh, elle a pas 5, c'est bien. Elle a pas 5. La tournure, elle va sortir direct. Elle va perdre 10 points de vie. Bim. Bim, voilà. Donc là, on peut répéter la prochaine attaque en faisant un petit enchaînement. Ça serait marrant de le faire. Donc là, par exemple, si je fais 5, ça va me coûter. Là, j'ai 4. Soit je le fais maintenant, soit je le fais après. Et je sais pas si on peut répéter les tornioles, par exemple. Ça serait un peu trop violent, je pense. Là, je fais 9. 9, et après, je fais 6. Oh bah, c'est bon, en fait. Oui, c'est bon. Ah bah non, tiens. Bah c'est bon. 23-40, j'ai bien fait de passer par là. Ça va être chaud contre le feu, là. Mais il y a moyen de le faire. Parce que là, si on augmente... Voilà, si on fait ça, on va aller deux fois plus vite. Ça peut aller vite. Ou sinon, on fait juste voilà, double combo. En fait, il faut aller plus vite. Faut qu'on aille plus vite. Là, il est niveau 4, il est niveau 4 aussi. Ce serait bien d'aller à la ville. Mais je connais pas le Kraken. On va aller à la vie, parce que c'est plus simple. Donc là, par exemple, si je fais direct ça, je répète deux fois. 9. Ça, c'est magnifique, quand même. Oh là là, c'est très bien. C'est très très bien. Du coup, c'est quoi qui les coûte ? Camouflage. Ah, cécité sur le 2D. Aïe aïe aïe, j'ai bien fait de pas faire les combos. Ok, c'est magnifique. Donc on est bien. Il a pas envie que je joue, mais c'est bien. C'est très très bien. Parce que là, on fait déjà 4 ici. Ah, c'était le maudit, d'accord. Bon, voilà. Y'a pas trop le choix, hein, de toute façon. Je pense qu'on aurait pu le battre. Si j'avais interverti les deux cécités. Hein. Bon, récupérons de la vie. On a un gros problème de vie. Hein. On a un gros problème de vie. Donc là, on n'a pas de feu, donc c'est dead. Par contre, on a des enchaînements vénères. Donc là, par exemple, si je fais bim, bim, voilà, je paye. Tiens, cadeau. Ça rend les dés en plus. Ah oui, c'est bien ça. Ça nous récupère 2 dés. Ah oh ouais, ça va aller 3 fois plus vite. Et nous, il nous faut un feu, ok. Donc là, par exemple, si je fais ça plus la répétition, c'est magnifique. Par contre, ça me coûte 2. Je préfère même pas claquer dans la vie. Tape-moi, je préfère. Ah, il a quand même 9 de dégâts, ça fait archi mal. Ouais, par contre, je vais pas te laisser faire. Hein. Voilà, comme ça c'est fait. Et tiens. La vie. Et ça va être chaud à placer. Aïe, aïe, aïe. Bon, la répétition, en fait, en soi, là, on en a pas besoin, mais par contre, la vie, on en a besoin. On va devoir claquer. Parce que là, je ne connais même pas le roi des rats, c'est chaud. Résiste au poison, d'accord. Il va nous lancer du poison. Ok, on fait.
Il faut qu'on récupère de la vie à chaque fois. Oh là 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 là. Oh, ça fait mal au cœur. Oh, ça a fait mal au cœur. On va mourir là. Oh, on va mourir là. Soit on prie pour qu'on ait des tornioles gratuites parce qu'on augmente des vies à chaque fois, soit... Ah, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. On a bien fait de prendre la vie, hein. Purée. Bon, on va essayer d'aller vite, là. Max 6, max 4. Comment je pouvais... Ouais, c'était avec le combo que je pouvais faire un truc un peu intéressant entre les deux, mais... Ok. Bon, c'est bien, on s'est plutôt bien débrouillé, on a de la vie. On a un dé. Ok. Bon, là, ça va être short de short. Skatak. Je pense qu'on peut garder la vie, mais par contre, la charge douce, la répétition, ça aura pu, on peut aller trois fois plus vite avec ça. Du coup, est-ce qu'on s'enlève par une baffe ? Pour pouvoir mettre un enchaînement. Parce que là, on peut faire un enchaînement avec le déchet un gros dé et échange le dé contre un autre de valeur supérieure. Ouais, après, le problème, c'est que c'est... En fait, il faudrait que je me libère de ça. Ouais. Sinon, on continue comme ça. Je sais même pas si on va y arriver. Vu le nombre de vies qu'on a après... Bon, on va essayer. On va essayer. Immunisé contre verrou et gel. Bon, de toute façon, on s'en fiche, nous, on est en mode werewolf. Donc, Ah, en l'absence de tout cela, un bon combat fera l'affaire. Ah bah, ça commence bien. Oh, elle fait que des combos avec des doubles. Ah ouais, ça va vite. Oh, ah, faut choisir. Oh là là. Alors là, du coup, j'ai perdu 2. Est-ce que je claque pour ça? Parce que... Ça va augmenter ma torniole, ça peut être intéressant. Et bien ça va lui faire que 5. Bon allez, hop, on y va. C'est 5 pour 2, c'est très bien. Elle a 1, ça fait quoi? La malédiction. C'est très bien. Malédiction, c'est pas grave. Si c'est pas la, si c'est pas le plus 4 là, c'était le plus 4. Ok, bon hop, bim. On récupère de la vie. Voilà. On a bien fait de faire full attaque là, parce que... Ah, encore malédiction, ok. Donc là, normalement, c'est pas le même. Si, c'est le même. Ok. J'ai bien fait de garder les deux, hein, du coup. On récupère de la vie. Non, non, c'est très bien. Je pense qu'on a fait un bon build de... Là, c'est un bon truc. Ah, elle a verrouillé un truc. Et on est en... Bah, torniole, c'est fini. Hop, boum. Ah, salut. Quelle victoire! Et si je peux me permettre, vous savez vraiment fière allure. Alors, dois-je faire tourner la roue? On va mourir. Oh, pas de chance. Alors, je vais vous accompagner au département costume, histoire de que quelqu'un s'occupe de vous pour arracher tous vos ces poils. Et c'est très très bien. Parce que là, le fait d'avoir volé, ça nous a carré, alors que je pense qu'en tant que voleur, ça aurait été très compliqué. Bon, bah c'est bien. C'est bien. Là, je pense qu'on a bien joué. Par contre, on va essayer de faire le 3. Et après, on fera les 3 derniers la semaine prochaine, je pense. Juste pour qu'on puisse un peu tester. Je pense que le robot, ça va être très compliqué à gérer. Faut que j'enlève encore la cam, excusez-moi.
Notre prochain concurrent travaille dur, il combat farouchement et surtout il essaye vraiment, peut-être même un peu trop. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Je vous demande d'accueillir Cole chaleureusement. Le robot. Wouhou, ouais. Merci Lady Alea. Je suis vraiment très excité à l'idée de me lancer dans cette grande aventure d'amélioration de soi. Et qu'espères-tu donc gagner? Je souhaite me débalancer de la nécessité de dormir. Avec 8 heures de plus par jour, je pourrais vraiment devenir la meilleure version de moi-même. Pourquoi ne pas directement jouer afin d'obtenir l'immortalité? Ainsi, tu disposerais de tout le temps que tu voudrais. Toutes les études ont prouvé que l'amélioration de soi est plus durable si l'on commence par des petites choses. Ok, l'immortalité, ce sera pour la prochaine fois. Bah, disons que tu peux mourir de non-sommeil. Comment te dire? Oh, très cher. Il n'y aura pas de prochaine fois. Essaye de faire de ton mieux pour cette fois. Allez, c'est parti! Vous allez comprendre, le système de jeu du robot est plus complexe. C'est un peu... Alors moi, j'ai un peu testé jusqu'à là. C'est le système du blackjack. Donc en fait, on a un calcul, on n'a plus de dés. Donc le but, c'est d'essayer d'aller au maximum. Et à partir du maximum, en fait, il nous donne des dés. Donc par exemple, premier dé 2, 5. Et là, je suis allé à trop loin, donc je peux pas taper. Voilà. Donc je le fais au début parce que sinon après on va mourir. Et après faut qu'on récupère quand même de la ville. Donc c'est la dose de mon clic. Bon, réutilisable, hein. Une grosse boulette, hein, j'ai envie de dire. 2 de dégâts, c'est nul. Là il y a un lancer auto, ça fait le jackpot assuré. 9. Donc là, je peux ensuite régénérer directement avec le jackpot, ce qui est pas mal. Et le coup de bol, c'est 5 direct. Et encore un dé, lance un dé en plus. Donc là, par exemple, je peux faire... on va récupérer de la vie, parce qu'on en a besoin. On va faire ça. Et ça. J'aurais dû faire peut-être l'inverse. Ouh là là. Donc voilà, par exemple, là, j'ai cliqué deux fois, donc on sait qu'à partir du moment où je clique, c'est mort. Le lance-boulette est nul. Ok, on s'arrête là. Ouais, faut qu'on augmente tout, hein, parce que y'a rien qui va, y'a rien qui va. La valeur du dé moins 1. Ouais, c'est pour pouvoir arriver pile. Je suis 30% de chance de réussir après, donc... Là, il faut faire des calculs, je suis pas là. Oh, c'était sûr. T'as tellement de chance de tomber sur un 6 en vrai, c'est un délire. Waouh, on est à déjà 2 points de vie, bon, ça va aller vite, hein, ce test. Lancer auto. La vie. Max 5, bah voilà. C'est chaud la vie, hein. C'est chaud la vie. Oh là 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 là. Oh, c'était infernal. Plus 2 de CPU, j'imagine que le CPU, ça permet de calculer un peu mieux. Ça rajoute plus de marge, quoi. Donc là, par exemple, on est à combien? C'est nul, les équipements, par contre. Oh là là. Quel enfer. On va aller à l'équipement direct, hein. Crains la foudre. Donc ouais, c'est ça. On est jusqu'à 11, maintenant. Donc là, il faut calculer.
Donc on peut avoir 6 direct et maxi. Oh là là. Donc là, si j'ai 6, par exemple, c'est dead. Mais il y a tellement peu de chances d'avoir 6 d'un coup. J'ai rien dit. Bon, un max de dégâts, hein, j'ai envie de dire. Tant qu'à faire, de toute façon c'est pas grave. Et on peut réutiliser. Hop, bim. Combien de chances j'avais de tomber sur un 6 là? Là c'est pareil, là, si j'ai 6, ça fait 8. Donc ça va. Donc là c'est bon encore. Wow, bon, ils ont ça là, j'ai envie de dire. Je peux même pas utiliser ça. 2. Faut vraiment qu'on améliore des trucs, hein, parce que c'est pas possible ça. Allez, donc du coup, là on peut plus jouer nos petites. Donc là, ok, 6 ça fait 9. Ouais, c'est un peu chaud. Là je peux pas le claquer. Ah si. Pourquoi il est transparent du coup? Ah, je suis affaibli. Je tente? Vas-y, on tente. Oh, trop bien. On a bien fait de tenter. Ok, donc du coup. Donc voilà, on peut y aller. On peut encore y aller. On peut encore y aller. Ouais, on va peut-être jouer un peu d'abord. Oh, trop bien. On a de la chance, hein. On a de la chance. Et on a un lancer auto direct, là. Bah, lancer auto, hein. Qu'est-ce que tu dis? On a besoin de vie, on va prendre la vie. Parce que moi, je ne joue pas max 3. Bah, max 3, B. On voulait de l'équipement. Et s'il y a de la vie, c'est magnifique. Combine les dés. Donc ça, c'est si je veux faire du max. Si je veux faire du combo. Double la valeur du dé. Ça, c'est pas mal. Par contre, la bouclier, ça peut être intéressant. Tant qu'on n'a pas la vie. Là, ça, c'est pas mal aussi si jamais on se trouve dans notre petite combine les dés, ça peut être pas mal aussi. En fait, les deux sont bien. Sauf que ça, c'est max 3 par contre. Combine les dés mieux que max 3. Ah, ça, c'est max 3 aussi. Donc, du coup, c'est soit ça, soit ça. C'est soit les deux, soit celui-là. On va faire combine les dés, je pense, hein, parce que. Combien j'utilise ces 5 l'autre? Max 5. Ah, c'est juste hein, quand même. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, du coup, je l'ai pris parce qu'en fait, si jamais on doit faire des combos par rapport à ça, hein, ça peut être mieux. Quoi, par exemple 5-2, on va utiliser le 5 direct, hein, on peut dire. Le 2, on peut le dépenser tout de suite. J'ai bien fait d'utiliser. En fait, il faut les utiliser avant d'appuyer, d'accord. Donc Hatchoum réduit de... ok. Je pense que l'erreur ça revient à 0 le lancer auto par contre. Il y a un truc comme ça. Donc faut peut-être compter aussi un peu sur le lancer auto de temps en temps. Là ça fait 4. On va combiner tout de suite. 9. Ouais, faut savoir abandonner en fait. Bon.
Ah, c'est pas mal. Ah, il lance pas mal de trucs quand même en même temps. Ah oui, d'accord. T'as tout lancé, là. On récupère de la vie. 5. Voilà. En fait, ce serait bien d'augmenter notre CPU, mais bon... Peut-être que la défense était mieux, ouais, au final. Je suis en train de me dire que là, on... Ouah, c'est chaud. Oh oui. Oui. Oh, c'est tellement un coup de chance, là, sur le coup. Oh oui, le CPU. Arme ultime, dégâts, doublé sur, sur un jackpot. Doublé sur un jackpot. Ah, c'est pas mal. Immunisé contre les bugs. Moi, je veux que ce soit immunisé contre les bugs, en fait. Ouais. Je pense que c'est nécessaire. Bon, on n'a pas besoin de vie. Faut revenir à un. Et il nous dit quoi? Rondage, on peut racheter? Non, toujours pas. Mais bon, peut-être que si on bat lui, on pourra racheter après. Change d'équipement à chaque tour. Oh, vous êtes de retour! Ah non, c'était un autre dé sur patte. Pas grave, vous allez y passer de toute façon. Ok. Bien lancé. 2. Bon. Hop. Si, si. Oh, comme ça, c'est immunisé direct. Bam. On peut le réutiliser, donc pas de problème. Boum, 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 boum. Ouf. Oh la chance. Bon, tiens. Oh si si. La chance. La chance. On a un lancer auto gratuit, ça c'est bien. On a un lancer auto hein, direct. On régénère. J'aurais pu faire ça en fait. C'est peut-être mieux. Faut que je me fasse une ligne combo en fait, parce que là il y a... Ni une attaque et une ligne combo. Parce que là, c'est là où je me trompe, c'est que je regarde toujours que d'un côté. Où je déplace ça ici, et ça, c'est un combo, en fait. Ouais. Ça, c'est nul, par contre. Oh! Bon, voilà. Êtes-vous sûr de ne pas être mort? Cette émission est, pas assez... est assez carrée en général, et la survie n'en fait pas partie. D'accord? Équipement. Bras mécanique, un dégât, plus un à chaque lancé. Ah, ça, c'est un truc à utiliser dès le début. Alors, attendez. La lame, alors, du coup, ça, faut que je mette la lame de bogueuse ici. Valeur du D-1, ça, c'est rare que j'utilise. Lance boulette, ok. Clé plate, ça fait, ça me permet de faire des combos. Attends. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc là, c'est des coups directs, des coups potentiellement à combo. Ouais. En fait, il faudrait que je déplace ça ici, parce qu'en fait, c'est plus ça. J'utilise moins, en fait. C'est par rapport à l'utilisation que j'ai range. Du coup, est-ce qu'on peut claquer, du coup, dans notre truc? Je pense que oui. Et là, si on rajoute le bouclier, ça pourrait être intéressant, parce que c'est ça le plus gros problème. Je crois. Donc, par exemple, lance-boulette... Ou la valeur de dés, là. Ça, c'est un peu nul, quoi. Oh, je sais pas. Attendez. Bras mécanique. Un dégât. Donc ça, c'est pair. Donc ça, c'est max 5. Ça, c'est officiel tout le temps.
Max 5. Donc Max 5, Max 5, il y a trop de Max 5. Par contre, après, il y a des paires. Minimum 2. Maximum le reste. Et après, je peux enlever tout. Combine les dés. C'est, en fait, le roulé, il m'intéresse pas, en fait. Je crois qu'il m'intéresse pas. On va prendre ça, la rondache. Hein. On va prendre ça. On va enlever le roulé. On va voir ce que ça donne. Et après, on verra si on peut augmenter bien les trucs. Et si ça se passe bien. Bien joué. Ça, c'est celui-là, il fallait que je le dirige, il fallait que je le fasse. Et bugger, ça me coûte rien en plus, si j'ai bien compris. Ah, du coup, il m'a brûlé mon truc. Quel enfer. Max 3, par exemple, là, si je me fais un bouclier, ça va me permettre de me protéger. Mais... le bouclier, je sais pas ce qui bloque les dégâts reçus. Ouais, c'est bien. Wouah, 6! Cher! Cher le paiement. Ouais, mais les vies, ça part tellement tellement vite. Donc là, ça va partir aussi. Il faut faire attention. Comment te dire? Donc ça, c'est bien le bras mécanique. En fait, il faut vraiment l'utiliser à chaque fois qu'il y a une paire. Mais du coup, là, par exemple, j'ai pas de paire. Ça, je pourrais le payer ici. Ça me fait 2 de dégâts. Après, il y a des dégâts gratuits, quoi. On va se protéger déjà parce qu'il nous en faut. Bim, 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 bim. Et du coup, on va faire 4 pour faire paire. Ah, mais du coup, ça fait que 4. C'est pas plus 4. D'accord, je pensais que ça faisait plus. C'est pas assez en fait. Le bras mécanique, c'est bien, mais c'est pas assez. Du coup, bam. On va récupérer de la vie. Ce qu'on a besoin. Le 6 gratuit. Donc la paire, ça fait 4 des dégâts plus 1 à chaque lancé. Ah oui, du coup, c'est avant qu'il faut que je le lance. Oh, à chaque fois. On se protège. Ah, il faut que je lance en premier, en fait. Du coup, je l'ai mal arrangé. Paire. Ouais, j'aurais dû le faire à la fin. Je suis bête. J'ai oublié de le faire. Ah, je joue mal là. Aïe aïe aïe, la vie. Ah, c'est bien, la défense elle est là. Bon, on va prendre la vie. Tout de suite. Donc. Plus, ah oui, 5. Ah oui, d'accord, du coup, à chaque fois que je le lance, celui-ci, il fait... Il augmente. Donc là, par exemple, si je lance celui-là, il fait 5 dégâts. Vous voyez ? Si je fais ça, il me rajoute du bouclier. Mais là, je peux faire 3 dégâts, comme ça c'est fait. Et 6 pour la gratuité. La vie, elle va partir tellement vite, là. Oh. Voilà. Et du coup, on a débloqué la ventrice. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Ce sera pour la prochaine fois, les 3 prochains.
Eh bien, c'était cool. Je sais pas ce que vous avez trouvé, mais moi j'ai bien aimé. C'était cool. Bah du coup, la semaine prochaine, on continue. Sur Dicey Dungeons. Je pense que ça, c'est cool. Et après, on verra quel jeu je jouerai. J'ai déjà réfléchi à 2-3 trucs. Mais faut que je teste. Voilà, voilà. Je vais regarder qui y a en...